C'était pas possible que je chante je me dis, à Sofia, à l'âge qu'elle a, c'est marrant de faire une parodie, comme on faisait chez les Carpentiers, oui. Une parodie d'une chanson, c'est-à-dire le mec qui drague, il se prend un râteau, quoi. Et chez moi, ça s'y prêtait vraiment. Et comme elle ne pouvait pas chanter chez moi, dans ma tonalité, et que moi, dans la sienne, je ne pouvais pas non plus, ça lui a permis de bouger la musique et qu'on fasse autre chose. Pourquoi t'es vraiment plus âgé que Sofia et Saïli ? Ça ne se voit pas à la télé. Non. Allez, on y va. Chez moi, avec Sofia et Saïli. Laisse un peu tomber tes poupées. À ton âge, il faut s'en aller. Je sais que tes parents sont très gentils. Mais eux, à ton âge, ils étaient partis. Viens, je ne suis pas encore très vieux. J'ai la passion au fond des yeux. J'ai besoin d'un cœur tendre à aimer. J'ai besoin de te protéger. J'ai tellement d'amour à te donner. Chez toi, il y a des canapés où tu as versé toutes tes poupées. Oui, oui, mais... Chez toi, tu as installé le marché aux fleurs. Chez toi, il y a des violons pendus au balcon pour les faire danser. Pourquoi pour les faire danser, mais... Chez toi, elles retrouveront oui. Tout ce qu'elles ont si peur. Viens, t'as pas compris. Laisse un peu tomber tes poupées. Il faut que tu laisses tes livres et tes cahiers. La vie, tu sais, ça s'apprend au dehors. Tu sais. Et d'ailleurs, je sais que quelquefois tu sors. Oui, t'as peur que ton cœur prenne froid. T'as peur qu'un jeune maladroit me fasse mal. C'est ça que j'ai peur. Sans le vouloir vraiment. Voilà, voilà. Oui, mais méfie-toi des jeunes amants. Ils ont le cœur coupant comme un diamant. Alors que, chez toi, les tigres sont morts. Tout à fait. Y a un chat qui dort, oui. Un chien pas méchant. Il n'est pas méchant, mais bon, c'est bien. Chez moi, tu auras le choix entraîner un roi ou bien un mendiant. Je sais tes ongles sont courts. Tu peux pas griffer, même par amour. Chez moi pour tes insomnies, même en pleine nuit, je ferai grand jour. Chez toi, il y a des berceaux blancs, mais tous tes enfants ont 30 ans déjà. Hélas, tout ce que je veux dans ce que tu as est déjà chez moi. Ben c'est un râteau, ça. Un sacré râteau, les mecs. Sofia. Mais Sofia. Sofia et Saïdi et Serge Hama. Nouvelle version de chez moi. Venez, venez. Je rappelle que nous fêtons ce soir les 50 ans de carrière de Serge. Sofia, heureux de vous retrouver. Quel beau couple, hein, papy, quel beau couple. Elle peut tout chanter, elle.
demande de l'applaudir. Elle peut tout chanter. Tout chanter. Elle sait ce qu'elle fait. Tout elle joue la comédie. Elle joue la comédie. Mais je sais. C'est aussi pour ça que j'ai fait ça. Elle est professeure de danse. Elle m'a fait danser un soir dans Champs-Élysées. On m'en parle encore. J'ai mis 15 jours à m'en remettre. Oui, à la maison. Trois ostéos, deux kinés. D'ailleurs, on devait le refaire, ça. Hein. Ah, c'était magnifique. C'est vrai que tu connais tout de Sophia de Serge. Presque tout. Tout, je n'aurais pas cette prétention-là parce que son œuvre est, est immense et j'adorerais un jour connaître tout. Mais de ton répertoire, je voulais dire, bien sûr. Moi, je crois que je vais vous laisser. Applaudissez, Sophia et Saïli.